Good morning, Alei, Dan et Tusra aujourd'hui, il est le Nishmat, Dov, Ben Yudit, Evad, Amram, Ben Chedva, Chaye, Esther, Bet, Miriam, Mitzrak, Peretz, Ben Fortuna, et Chaye, Michel, Ben Sultana. Si vous souhaitez, vous souhaitez dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechat Shabbat, Perek, Yud, Dalet, Mishnah, Aleph. Shmona, Shratzim, Ha'amorim, Batora, Hatzadan, Va'achovel, Bahen, Chayav. Ush, Arsh, Katzim, Urmasim, Achovel, Bahen, Patur. Hatsadan, letzorech, chayav, shelo letzorech, patur. Chayav haof, shebirshuto, hatsadan patur, veachovel bahen, chayav. Mishnah qui va un petit peu conclure le sujet de tzad. Pour rappel, après, dans les melachot des 39 travaux qui est explicité dans le Perek Zayin Mishnah Bet, alors on avait hatsad tzvi, ashochato, Va'amafshito, va'ameyabed atoro. Tzad, tzvi, c'est celui qui le capture, le serre. Shochato, c'est celui qui va l'égorger, l'abattre. Et mafshito, c'est celui qui va lui enlever la peau, le dépecer. Va'ameyabed atoro, c'est celui qui va lui travailler la peau. D'accord? Pour travailler la peau du cuir. C'est nécessaire de rappeler ça pour pouvoir comprendre un petit peu, tant bien que mal, l'enchaînement des mishnayot qui vont arriver dans ce perek. Dans la fin du périple précédent, on a parlé de tzad, de capturer. Maintenant, on a une Mishnah qui va faire un petit peu transition entre capturer et égorger. Et dans la prochaine Mishnah, on va voir qu'il y a une Mishnah qui n'a aucun rapport avec le sujet. Et que le Tiferet Israël explique que l'unique rapport, c'est le fait que c'est en rapport avec Me'abed, le fait qu'on va travailler. Enfin, on expliquera quand on arrivera à la prochaine Mishnah. Là, pour le moment, ce qui m'a intéressé, c'était de mettre en évidence qu'on va comparer dans la même Mishnah. On va parler de deux Melachot. Tzad, capturer, qu'on a déjà évoqué. Donc, et Chovel, celui qui va blesser un animal. Et on commence d'abord à traduire avec Shmona Shratzim Ha'amorim Batora. Les 8 rampants reptiles explicités dans la Torah qui impurifient. C'est-à-dire, dans la parashat Shmini, la Torah elle évoque une liste de 8 reptiles ou rampants, je ne sais pas comment dire. Je ne veux pas dire, en théorie, il faudrait dire reptiles, mais le problème c'est que le reptile par excellence, qui est le serpent, il ne fait pas partie de cette liste. Donc je ne sais pas quel mot utiliser exactement. Et voilà, donc la Torah évoque 8 reptiles, on va les citer ensuite. Eh bien, la Mishnah me dit, sache que les 8 qu'on a évoqués là-bas, Hatzadan va chovel ba'en, celui qui va les capturer, et même celui qui va les blesser, littéralement, après on va expliquer un peu plus précisément de quoi on parle, il va leur faire une blessure, eh bien, chayav, il sera condamnable. Tandis que Ushar Shkatsimur Masim, par contre tous les autres rampants et vermines, Sheketz Remen Remes, c'est le même principe. Shkatsim, c'est dans le sens que ça pullule, Remes, c'est le fait qu'il rampe sur la terre. Alors la Mishnah me dit à Chovel Ben Patur, celui qui va les blesser, il sera dispensé. Tandis que Hatsadan, celui qui va les capturer, Letzore Chayav, s'il le fait parce qu'il en a un réel besoin de les capturer, alors il sera chayav, tandis que Shelo Letzorer, s'il le fait alors qu'il n'en a pas besoin, il le fait pour rien, eh bien, il ne sera pas tour. Bon, on explique, en fait, on fait un petit peu d'ordre, là, il va falloir expliquer deux choses. C'est-à-dire, si vous avez comparé, on parle des 8 shratzim, explicités dans la Torah, et tous les autres rampants, d'un côté, et on va parler d'eux sur deux points de vue, par rapport à l'interdit de tzad, de capturer, et par rapport à l'interdit de blesser. Et on explique d'abord, on explicite c'est quoi les 8 shratzim. Dans Parashat Shmini, la Torah a donné 8 reptiles ou rampants que lorsqu'ils meurent, ils véhiculent une impureté particulière. Qui sont Acholed, Ve'achbar, Ve'atzav, Ve'atinshamet, Anaka, Ve'akoach, Ve'aleta, Ve'achomet. Il y en a 8 qui sont explicités. J'ai la traduction du rabbin Zadok Khan, officiel. Il traduit comme ça, et je suis un peu étonné d'ailleurs, parce que je vais avant de traduire par Zadok Khan, par le rabbin Zadok Khan, on va d'abord traduire littéralement en tel que Choled. Choled, on sait ce qu'est une Choulda aujourd'hui, c'est une sorte de rat. Achbar, en hébreu moderne en tout cas. Achbar, c'est une souris. Tzav, alors en hébreu, alors là c'est la grande galère. Parce qu'en hébreu moderne, on traduit ça par une tortue, mais c'est prouvé que c'est pas une tortue. Il y a plusieurs, il me semble que c'est, je crois que c'est admis de tout le monde, que c'est une erreur d'avoir traduit tortue. Et Tinshamet maintenant. Alors Tinshamet, c'est une taupe. Et Anaka,
Anaka, alors là je l'ai raté celui-ci, je crois que c'est le hérisson apparemment. Je crois que Rachio aussi l'explique comme ça. Il y a Koach, le Koach, alors c'est en hébreu moderne, c'est un varan, c'est une sorte de lézard grand, ça peut aller jusqu'à parfois même 1 mètre de long. Mais le rabbin Zadokain traduit ça par crocodile. Aletaa, il traduit ça par la salamandre, peut-être qu'il les a un petit peu inversés, je sais pas. Lui traduit comme ça. Letaa, c'est quoi qu'il arrive, on parle de la famille des lézards. Et ceux qui ressemblent. Il y a les lézards et les souris, plus ou moins. C'est à peu près les deux pôles qui vont se présenter. Hein. C'est un rat, une taupe et une souris, c'est c'est la même clique. Et l'autre, ça va être le lézard et le varan et la salamandre. La salamandre aussi, c'est une sorte de lézard. Regardez sur Wikipédia, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J'ai vu qu'il y a des tas de photos. Et à part ça, il faut rajouter aussi la limace, le caméléon et le hérisson aussi. Et quand voilà à peu près, bon, enfin, on a évoqué les huit rampants, d'accord? Je les relis maintenant selon Zadok Khan. Taupe, rat, lézard, hérisson, crocodile, salamandre, limace et caméléon. Et à la place du crocodile, j'aurais plus mis le varan, parce que le crocodile, je crois que ça peut pas être un... Je sais pas. Je sais pas d'où il a eu ses sources, quand il a traduit ça, il y a la Torah, c'est un des grands rabbins de France, à l'époque de Dreyfus, de l'histoire, c'était à la même époque, ça fait une centaine d'années. Et voilà. Donc en tout cas, maintenant on a fini avec les huit, on a fini de citer les huit reptiles, on va les appeler comme ça, les huit reptiles explicités dans la Torah. Je vais d'abord, on compare dans la Mishnah les huit reptiles et tous les autres rampants. D'accord? Maintenant, on va d'abord parler de ce qu'il y a de commun avant de parler de ce qu'il y a de différent. Ce qu'il y a de commun, en réalité, vous avez fait attention, on a parlé de capturer et de blesser. On va parler par rapport à l'interdit de capturer parce qu'en fait, au début, pour les huit shratzim, la Mishnah me dit, tu sais, celui qui les capture, il est chayav. Et puis après, la Mishnah me dit, quant aux autres rampants, que Rashi prend en exemple, ça peut être des escargots, ça peut être des toutes sortes de vers, même comment dire, des cancers, ça m'échappe, c'est pas grave. Le akrav. Le akrav, le scorpion. Voilà, le scorpion, celui qui les capture, alors la Mishnah va me dire comme ça, si tu les captures, si tu en as un quelconque besoin, on fait une collection de scorpions, ou une collection de chilazones, où on veut les donner à manger à je ne sais pas qui, chilazones on dit c'est les escargots, et bien dans ce cas-là, si tu en as besoin, tu es chayav, si tu n'en as pas besoin, tu le fais parce que tu as peur, ou tu le fais parce que quoi que ce soit, ça te dégoûte, donc tu veux le prendre pour le jeter, comme ça il va pas te rentrer dans le lit quand tu vas rentrer cette nuit, tu vas mettre ton pied dedans et tu montes. D'accord? Alors dans ce cas-là, on n'est pas chayav. En réalité, ce qu'il y a écrit ici, c'est le même principe pour tous. C'est comme ça que le Tiferet Israël explique. Et même le. D'accord? Je crois que c'est un Tosot Yom Tov déjà ici. Oui, Tosot Yom Tov, il rapporte ça au nom du RAN déjà. Que concrètement, si tu as un intérêt. Quand tu le captures, tu vas en faire quelque chose de positif. Tu es chayav. Si tu n'as pas d'intérêt, au contraire, tu veux uniquement qu'il ne vienne pas te casser les pieds, mais tu veux. Donc tu n'as pas d'intérêt dans le capturer lui-même tel quel. Au contraire, tu veux t'en débarrasser. Alors dans ce cas-là, on n'est pas tour. Ok? Voilà pour l'interdit de tsad, de le capturer. Maintenant, on revient sur l'interdit de blesser. Et là, il y a la petite nuance. La Mishnah me dit, si tu le blesses, les 8 shratim, si tu les blesses, tu es chayav. Tandis que les autres, tous les autres rampants, si tu les blesses, tu les pas tout. On va expliquer un petit peu mieux, d'abord, avec ce qu'il y a de commun entre les deux et la singularité qu'il y a. Tout d'abord, si tu les tues, si tu as un intérêt, bien sûr, de quelque chose de positif, tu le tues pour le donner à manger à un autre animal ou quoi que ce soit, alors, badaï qu'on est réel dans tous les cas quand on tue. C'est des dérivés de chochet. Chochet, c'est abattre un animal pour le manger ou pour l'utiliser, peu importe. Eh bien, tout ce qu'on va tuer, on est réel. Mieux que ça. Faire sortir du sang. Imagine, alors la Gemara, elle évoque, je sais pas, j'ai pas de chien à la maison, et même je pense que ceux qui ont des chiens aujourd'hui connaissent plus tellement le procédé, mais apparemment les chiens, ils aiment bien manger du sang. On en parle très fréquemment dans la Gemara, que Chochet, qui prend du sang pour les calbos. Motsidam les calbos. Provel les Vetzarichdam les calbos. Il a besoin de donner, il veut donner une petite dose de sang à son chien, apparemment ils aiment lécher ça. Alors, la Mishnah m'enseigne comme ça. Tout d'abord, n'importe quel animal, n'importe quel être vivant qui a du sang, tu lui incises le corps et tu lui fais sortir un révit de sang, une quantité de sang conséquente,
pour la donner à boire au chien, eh bien on transgresse l'interdit de chochette, de nouveau. D'accord? Chovel, c'est pas la peine de tuer. Faire sortir du sang, c'est lui prendre la vitalité, c'est le tuer partiellement. D'accord? C'est clair? Premier. Maintenant, on va arriver enfin à la Mishnah, à la singularité qu'il y a entre les 8 shratzim et les autres rampants. Sur ça, on parle de quelqu'un, en fait, qui a voulu blesser son animal, mais que il n'a pas réussi à lui faire sortir le sang, mais il a réussi à lui mettre un coup de manière à ce qu'il a un bleu. Alors, un bleu dans la Torah, je ne sais pas, en médecine, je pense que c'est la même chose, c'est le même principe, c'est un hématome, ça veut dire qu'il y a eu le sang qui est passé, qui a transpercé la peau, qui a transpercé la chair, mais qui n'est pas sorti parce qu'elle est restée bloquée par la peau. Donc en fait, on a réussi à faire décoller le sang de là où il était, mais sans réussir à le faire sortir à l'extérieur. C'est ça ce qu'on fait quand on a un hématome. On a eu du sang qui est sorti, entre parenthèses, un enfant, un fils qui va faire sortir, qui va faire un bleu à son père ou à sa mère, il est passible de Chayav Mita. Ouais, parce qu'il a frappé son père pour lui, en lui faisant sortir du sang. Parce que même si le sang n'est pas sorti extérieurement, dès que le sang il est sorti de sa place pour aller pour sortir ailleurs, eh bien il est chayav, même s'il n'est pas sorti de l'extérieur, parce qu'il est sous la peau maintenant. D'accord? Mais donc, l'élément essentiel pour transgresser cet interdit de Chovel, c'est d'avoir une peau. En l'occurrence, maintenant on y arrive enfin, la Mishnah m'enseigne, sache que les 8 reptiles évoqués dans la Torah, eux, ils ont une peau. Donc si tu les frappes pour le faire sortir du sang, mais que le sang ne sort pas dehors, il reste sous la peau, tu as déjà transgressé l'interdit. Pourquoi? Parce que tu as quand même commencé à faire sortir le sang. Par contre, les autres rampants n'ont pas de peau. On considère qu'en réalité, c'est que de la chair. Tu as un rapport direct avec la chair. Et de ce fait, même si tu as frappé, tu vois qu'il est devenu plus rouge, sache qu'il n'est pas... finalement, on ne sait rien du tout. Ça va dans peu de temps, ça va se réabsorber dans la chair. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est de la chair. Et le sang, il n'est pas sorti à l'extérieur. Si toutefois, le sang était sorti à l'extérieur, il serait sorti totalement. Et s'il n'est pas sorti totalement, c'est qu'en fait il n'est pas sorti, c'est juste qu'il y a une petite couleur ici, mais il n'a pas été ne'ekar mimkomo, il n'a pas été déraciné pour commencer à sortir. Voilà, la Mishnah, on a réussi à l'expliquer. C'est franchement, je suis fier de moi, parce que j'ai vraiment galéré pour comprendre exactement ce qu'il y avait écrit. Et on continue avec la dernière partie de la Mishnah. Chaya va'of shebirshuto. J'ai bien évidemment expliqué la Mishnah partiellement, j'ai fait un petit mix de... Ce qui rapporte le Barthénora qui nous dit qu'on est chayav à cause de pas de Tsovea, mais qui est dit non, lui il rapporte Tolda des Dash. J'ai pas fait comme Barthénora, j'ai plus suivi en fait concrètement le Melechet Shlomo essentiellement qui rapporte le Ran. D'accord? Nesilat Neshama, oui, c'est ça. Melechet Shlomo il rapporte au nom du Ran, c'était l'explication la plus facile à accepter quoi. Et maintenant on a la dernière partie de la Mishnah, cette fois-ci on va parler de. Vous avez vu dans la Mishnah, on a comparé deux interdits, capturés et blessés. On a vu des animaux on est chayav lorsqu'on les capture et lorsqu'on les blesse. Des animaux qu'on est chayav lorsqu'on les capture mais pas lorsqu'on les blesse. Et la Mishnah va me dire cette fois-ci, chayav va off chez Birchuto. Les animaux et les off et les volailles, les oiseaux qui sont dans sa possession, qui sont chez lui, donc eux ils sont déjà capturés. Eh bien la Mishnah va me dire, sache que Hatsadan Patour, celui qui va les capturer, il sera dispensé parce qu'ils sont déjà apprivoisés, ils t'appartiennent déjà. Et voilà, donc ça, tu ne transgresses plus l'interdit de capturer lorsque tu vas les attraper. Par contre, vers Chovel Bahen Chayav, si tu vas les blesser, alors tu seras Chayav selon le même principe, c'est que tu l'as blessé, tu l'as fait sortir du sang qui est passé sous la peau. Eux, ils ont bien évidemment une peau épaisse, la peau des volailles, du poulet. Et donc, du coup, s'il a eu un hématome, tu as voulu lui faire sortir du sang pour le donner à manger au chien. Et tu as mis le coup et le sang il est sorti, il s'est placé entre la peau et la chair, tu as déjà transgressé l'interdit de Netilat Neshama à Shabbat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.